avec beaucoup d'émotion de notre beau pays, le Cameroun. Certains pensent que nous ne voulons faire la politique. Non, la politique, c'est mon patron qui fait la politique. Moi, je ne fais pas cette politique-là. Il n'y a que mon patron qui fait la politique. Nous, nous vendons le Cameroun et nous profitons de la plateforme que nous avons, les lions indomptables du Cameroun, pour vendre encore notre pays. C'est pourquoi les décisions dures seront prises. Évidemment, nous sommes tenus par nos résultats, mais dans la petite école de la vie que j'ai connue, tous les résultats se construisent. Moi, quand je suis arrivé au Barça, ça faisait plus de 10 ans, le Barça ne gagnait plus. Je me suis demandé, ils ont eu des Ronaldo, ils ont eu des Patrick Kluivert, etc., etc. C'est une équipe qui ne gagnait plus. Et puis, Gianni Laporta m'a dit, on a mis une politique avec la Masia où on a voulu construire les résultats de demain. Et ce que nous faisons aujourd'hui à la Fédération Camerounaise de football, c'est d'avoir des résultats pendant 10, 15 ans. Cela peut prendre... Bravo. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais je vous demande d'être patient. Mais croyez-moi, le jeune garçon qui est devant vous a une petite idée du football. Comme je ne sais pas faire autre chose, je ne sais pas faire la politique, je ne sais pas faire autre chose, mais le football, de midi à 14h, de 0h à minuit, je peux vous parler du football et comment nous allons développer notre football. Donc soyez rassurés, ma chère maman, ne me lâchez pas. Parce que, à côté de vous, je veux profiter de la fédération qui m'est confiée aujourd'hui pour vendre notre beau pays, le Cameroun. Et je ne serai terminé sans dire à mon patron qui est là, monsieur le ministre, devant toute la communauté qui est là, je tenais à vous dire grand merci. Et je tenais à vous dire, Excellence, le garçon qui est en face de vous, a fait 4 Coupes du Monde. Et les Coupes du Monde n'ont jamais été comme celle-ci. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde, et c'est grâce à vous, Excellence. Je l'ai gagné parce que notre beau pays était toujours mis en avant par sa mauvaise organisation, par des problèmes de crime. Vous n'avez pas permis cela, Excellence. Et je vous dis, devant tous nos frères, devant toute notre communauté, merci, Excellence, parce que vous avez permis ça.